Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Channel TSDK qui c'est toujours même session pas nous qui c'est qui est qui. Je dis à moi pour nous toutes sortes de connaître des dajou qui est lié et côté le fait qu'il y a musical etc. Mais avant mal la vidéo, je vous conseille de quitter un like. Ça vraiment fait un plaisir et pas oublier abonner à la chaîne pour pas attendre aucune autre vidéo n'a plagué parce que n'a pas tant pile belle vidéo sur Channel là qui performe de tout artiste qui a plus l'autre découverte ou pas de connaître etc. Ou même qui peut regarder vidéo côté m'a parlé de mettre Gimslam, m'a invité à cliquer sur petit Issa qui monte en l'air ou bien n'a pas dit faire vidéo pour tagger chef garder. Tout ça doit connaître des dajou qui est lié côté le fait à qu'un pilote info ou pas de connaître encore, on a le découvrir ensemble. Nous pas parler en pile, on a dans vidéo. Qui est ce qui prince dajou là? Dajou Jou na en son goula qui c'est vrai nous nous connaissons nos Dajou ou bien Prince Dajou qui fête le 2 mai 1991 nationalité elle c'est franco-congolais. Papa Dajou relé Janana Juna qui c'est un chanteur et maman relé Dalida. Est-ce que tu connais côté nos Dajou a sorti? Nos Dajou a sorti dans une contraction nos maman qui relé Dalida et papa qui relé Juna. Li prend dans nos maman et Jua dans nos papa ak non aussi qui composé qui fin bon Dajou. Dajou pas tout le monde qui était vraiment gay à mon poati, c'est étant donné qu'il y a accompagné grand frère là qui se met Gims dans le studio, il était contre faire musique comme s'il était capable de dire par accident parce qu'il pas aussi prendre ça au sérieux. Dajou était complètement fait dans une famille musicien parce que papa Janana c'est un chanteur de un groupe yorele Viva la Musica, papa Wemba et met Gims tout nous connaît qui sont artistes. En 2012, Dajou t'a pas commencé à carrière musicale, il t'a pas signé avec un label qui relé. Watibi après t'a fini signé avec label ça, de là il t'a pas fait rencontre avec Aboutol qui sont artistes qui a évolué en France tout. Tu t'es formé des Chine Sekai. De là en pile mon t'a pas connu avec musique ça qui t'est titré moi d'abord. Dajou t'a été sorti des mixtapes avec un album avec Chine Sekai. En 2016, j'ai décidé pour un petit pose à groupe là pour t'a réaliser projet yo t'a gagné en solo. En 2017, Dajou t'a décidé de lancer premier single en solo qui était nommé Ren. Li t'a pas sorti premier album li en solo 24 novembre 2017 qui était titré Gentleman 2.0. Album ça a été vraiment fait en pile succès, t'a gagné en pile monde qui t'a commencé à parler de Dajou car il t'a gagné en prend vol. Li t'a commencé fit avec plusieurs autres artistes, Dajou t'a pas fait apparition sur album Saint-Tinois, nous connaît qui c'est album grand frère là qui c'est Met Gims. Sembli le projet Belasiao côté yo t'a dégagé histoire la casa des papel là. Musique ça a été fait en pile succès, li t'a prend numéro 1 soir et tout en France. Après tout succès, Dajou te fin faire, il te levé trophée NRG Music Awards de la révélation francophone de l'année. Dajou te continue à faire parler en pile de lui. Une musique en pile dans nous contendons parce que c'est musique jaloua. Poison ou Antidote Miel Book, c'est nouveau album Dajou a porté pour nous pour 2020. Est-ce que Dajou a un fin en ville et est-ce qu'elle a un petit? Pour vidéo à pas trop long, ma vina repose ça pour nous dans l'autre vidéo si ça intéresse nous. Couleur préférée d'Adjou c'est blanc, noir et puis rouge. Et bien c'est là nous mettez fait une vidéo à quitter un like, souhaiter mettre travail à faire et pas oublier abonner à la chaîne là pour pas attendre que notre vidéo n'a plagué parce que dans le moment où là nous très actifs à informer des pile bagaille ou de connaître. Bah on a pour notre vidéo sur même canal là qui c'est TSDK.